parti qui est omniprésent, mais qui est très discret dans les urnes. Oui, Lutte Ouvrière, dont la candidate Nathalie Arthaud a fini bonne dernière de la présidentielle. Lutte Ouvrière réussit la prouesse de présenter un candidat dans chacune des 12 circonscriptions de Franche-Comté. Seul le Rassemblement national réussit la même chose. On écoute Michel Trépeau, candidat dans le pays de Montbéliard. Nous, on veut représenter le camp des travailleurs, ceux qui souffrent actuellement de la crise, toutes les augmentations de prix qui le subissent de plein fouet, pendant que le grand patronat engorge des milliards, a plus quoi en faire. Alors, cette situation ne pourra plus durer. Et nous, on se base surtout sur les luttes futures qu'il faudra de toute façon mener, parce que le grand patronat qui nous exploite et que le gouvernement qui est à sa botte ne nous laissera pas tant que nous, on se défendra pas. Il n'y a que le rapport de force entre le patronat et les travailleurs, ceux qui font tout fonctionner dans cette société et qui créent toutes les richesses, qui est accaparé par une petite minorité. Et ça, il faudra bien qu'un jour, on mette tout ça à plat. Et moi, je pense que les salaires ne devraient pas être au minimum, ça doit être 2000 euros net par mois, ainsi que les pensions de retraite, ainsi que les allocations. Parce qu'en dessous de 2000 euros, on ne peut pas vivre.